Bonjour, c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, on va filmer une usine de ciment, béton, cailloux, du matériau, quoi. Regardez. Attends, là, il y a une dame qui est tombée, elle a pris le poteau. Attendez, hein. Je vais porter secours et elle est tombée en vélo. Allez, c'est parti. Ça, c'est l'entrée. Voyez, ça, c'est l'usine de béton. Chantier béton. Je dis pas le nom. Tout simplement. Dans le département 31. Regardez. C'est grand, hein? Là, je marche peu, mais bon. J'espère que ça va aller. Que ça bouge pas trop. Il y a plein de flaques d'eau, hein? Aujourd'hui, il fait bon. J'espère que ça va tenir. Nous sommes en 2024. Alors, c'était une usine de béton. Ciment béton. Tout simplement. À l'époque, regarde ça. À l'époque, voilà. À l'époque, on les a appelés quand on faisait une maison. Et ils venaient couler les fondations. Ma maison, moi, c'est eux. Voilà. On les avait appelés à eux et eux, ils sont venus. Parce que je connaissais quelqu'un qui bossait là. Malgré maintenant il n'y est plus, il nous a quittés, mais ils travaillaient là. Ils sont venus, moi j'avais préparé la fondation, on avait préparé la fondation. Ils venaient me couler, tout simplement. Regardez ça. Je suis venu il n'y a pas longtemps. Il y avait des gens là, bon, des jeunes qui s'amusaient à se tirer dessus, vous savez, avec des espèces de carabines là, avec de la peinture et tout ça. Ils étaient habillés comme moi, tout en kaki, marron quoi. Regardez le bois qu'il y a là, et ça vaut le coup pour les cheminées. Regardez. C'est grand, hein? Ouais, oui, il y a des pigeons. Et bientôt, là, ils vont les démolir, hein, pour faire un petit, des petits appartements qui font les appartements qu'ils font aujourd'hui, quoi. Regardez ça. Là, il n'y a plus rien. On entend les pigeons. Regardez, c'est immense, c'est immense. Ouf. Faut faire attention, c'est comme les pieds. Ah oui. Ça fait un petit moment que c'est abandonné maintenant. Hein. Regardez.
c'est occupé par les pigeons, par les oiseaux. Vous avez vu? Et là, il fallait faire attention. Regardez. Parce que là, il ne faut pas y tomber de vague. Regardez. Vous avez vu le bordel? Regardez. Regardez la flotte. Regardez. Pneus, tout quoi. Là, il y a un petit pont. À ne pas faire la nuit, hein, parce que c'est dangereux. Hein. Regardez. Une usine de béton. Chantier, quoi. Regardez ça. Faire attention. Oui, dans peu de temps, ça va être démoli. Hein. Je l'ai vu sur Internet. Dans peu de temps. Attention, là. Je mets là. Regardez. Regardez comme c'est grand. Tout est arrêté. Bonassa Blanc, ça s'appelle. Là, il y avait des rails. C'est immense. Hein? Oh, oh, ça résonne quand on parle. Regardez la flotte là. Vous avez vu? Regardez. Hop! Une chaise. J'espère que le micro est bon. Vous me le direz. Merci. Ça me fait mal au dos de tenir tout l'appareil que j'ai là. Ouais, ça me fait mal au dos. Il est beau ce dessin. Là, je vais passer dessous. Regardez ces beaux dessins. Ils sont jolis. Ces dessins.
C'est des beaux dessins. Hop. Pigeon. Là, il n'y a plus rien. Il fait beau aujourd'hui. J'espère que ce soir, il ne va pas pleuvoir. Regardez le sable. Regardez le gaspillage de sable qu'il y a. Vous avez vu? Regardez ce sable. On le voit. On entend les corbeaux. Vous voyez, il prenait le sable de là et il montait là-haut. Vous avez vu? Je pense que bientôt, là, prochainement, là, ils vont commencer les travaux, hein. Regardez. Si c'est pas dommage. Hop. Je l'avais fait, mais il y a des trucs que j'avais pas fait. Tout simplement. Regardez. Voyez, et là ça monte là. Avant le sable montait et après il partait là-bas, il se mélangeait. Tout seul. Et la nature a repris ses droits, ça a poussé partout. Hein. Aïe! Partout! Regardez-moi ça. Là, c'est le gravier qui reste, regardez. Là, il reste du gravier. Il y a assez pour faire des fondations et tout. Hein. Là, je ne sais pas pourquoi. La nuit, il y en a qui devaient faire du feu. Regardez le gravier. C'est pas dommage, ça. Une usine. Une usine de gravier, béton, ciment. Où y coulaient les fondations. Tout quoi. Regardez. Là, il n'y a que dalle. Beaucoup de gens y vont, hein, ici. Ils viennent beaucoup, hein, se promener. Ça, c'était les bureaux. Ouais. Regardez, ça c'est un bout du corps, regardez toute la merde, les excréments d'oiseaux, regardez, tout ça,
ils se mettent là-haut. J'ai mal au dos à force de tenir la caméra. Allez, tout le gravier qu'il y a là. Oh. Quand ils ont arrêté l'usine, c'était plein de gravier ça. Regardez. C'était plein de gravier. On le voit là. Regardez. C'était plein. Ils n'ont pas regardé si c'était plein ou vide. Hein. Ils ont tout arrêté. Tiens, aujourd'hui il fait beau, hein. La dernière fois je suis venu, il pleuvait. Un petit loco. Là, c'est tout petit, hein. Bien, celui-là, pareil. Il faut faire attention par terre. Regardez. C'est qu'on marche. Ça pue, hein. Je vais me reposer parce que j'ai mal au dos. C'est parti. Là, il y avait des espèces de d'évier ou je sais pas. Ils devaient manger là peut-être. Je pense qu'ils devaient manger là. Voilà. C'était la pause, je pense. Regardez. Faut faire attention parce que tout tombait. Ça me fait rappeler un peu à Daniel Fauché. Les locaux des anciens étudiants à Toulouse. Regardez cet escalier. Et regardez le bordel. Et ça ressemble un peu aussi, attendez que je me rappelle, à l'hôtel, dans la région toulousaine. Les sœurs Papin. C'est pareil, c'est immense. Et là, c'est pareil. C'est la même chose. C'est immense, le site.
Allez, on va monter l'escalier. Ça, c'était une salle de bain, je crois, où il y a les WC, tout ça. Je pense, si, parce que je vois le carrelage. Regardez. Oh là! Oh là! Voilà, c'était des douches avec des WC. Ah, c'est dégueulasse. Tout le monde c'est sale, quoi. Fait leurs besoins, là. C'est pas propre. Allez. On va monter l'escalier. Qu'est-ce que c'était ça, cette machine? Regardez. Avec la courroie. Ah, là-haut. Là-haut, je sais pas comment on y va. Allez, c'est parti. Je monte. Regardez. Oh, mais c'est costaud encore le béton, hein. Regardez, il ne faut pas faire la nuit, hein. Parce que là, si vous tombez, regardez, vous voyez, là, je pense que on se ferait mal si on tombe de là. Là, il n'y a rien. Oh là, oh là. Ça résonne, hein. Oh, deux. Vous voyez? Petit chat. Allez, je redescends. J'ai mal au dos. Regardez. Ça fait haut quand même, hein. Ça fait haut. Voilà. J'essaye de faire doucement, hein. Regardez ça, le bordel. C'est prévu des petites maisons, bientôt. Et il va en avoir un paquet. Voilà, regardez. Là, c'était les machines. Électriques. Regardez. Les machines électriques. Il n'y a plus rien. Vous voyez les machines électriques? Hop.
regardez ce bâtiment. Il est immense. C'est immense. Ça, je pense que c'était un coin WC à Babo. On le voit là. Les douches là-bas. Ça, c'était une pièce aussi. La laine de verre, elle s'est foutue le camp. Vous voyez ? Et là, il y avait, même là, il y avait une espèce de dévié en béton. Vous voyez, avec sa hotte là-haut. Tout simplement. Des portes par terre. Regardez-moi ça. C'est calme, hein? Et là-bas, il y a 4 ou 5 caravanes. Je me rappelle. Regardez, la flotte là. Faut faire attention, hein? Parce que là, il y a eu des sans-abri qui venaient le soir. Il y a eu tout, quoi. Les gens qui n'avaient pas de maison. Regardez. Je ne sais pas si vous entendez les pigeons. Voilà, des côtes que ça a marché, ça. Il y a eu de la vie, il y a eu du monde. Regardez. La flotte. Elle est propre. Hein? Regardez comment ça montait là-haut. Regardez ça. Vous avez vu comment ça montait là-haut. Et après, ça finissait ici. Regardez. Vous avez vu? Et les camions, je pense, ils reculaient là. Vous voyez ? Les camions. À l'époque, ils devaient reculer là. Ici, là. Et vider ici. Tout simplement. Bon, là, je repasse.
C'est vrai qu'il faut faire attention, hein. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des urbex qu'il faut faire très attention à ne pas faire le soir, quoi, tard, la nuit. C'est sûr. Électricité. Voilà. Voilà. Et là-bas, il y a des caravanes. Bon, mais enfin, je sais pas si je vais en filmer une. Caravane. Regardez. Ces gros blocs qu'ils ont mis. C'est pour pas que les gens viennent avec les caravanes et les voitures. Vous avez vu? Regardez, comme ils ont retourné par terre, c'est-à-dire le sol, comme ils l'ont retourné, regardez, avec les pelles mécaniques. Regardez, pour pas que personne ne vienne stationner là. Ça se fait maintenant, parce que dans tous les lieux abandonnés, j'en ai vu de ça, regardez. Regardez un peu l'épaisseur des bétons. Mais voilà, hein. Et là-bas, il y a deux ou trois caravanes aussi. Je pense que c'était les gens du voyage. Quand ils sont venus, ils ont laissé trois caravanes. Ils ont laissé trois caravanes. Allez, nous allons voir. Regardez. S'il y en a du goudron là, qu'ils ont retourné. Tout ça c'était le parking, hein, où il y a le site. Regardez ça un peu. Regardez, des montagnes, quoi. Vous avez vu? Des montagnes. Bon, je vais essayer, regardez, de monter là, mais là ça va tourner. Ça va bouger. Voilà la caravane que je vous disais. Vous voyez, je pense que c'est des gens du voyage. Quand ils sont venus, voilà, ils se sont installés là et ils ont laissé 3 ou 4 caravanes. Il y en a une là et une là-bas. Vous voyez, il y en avait 3 ou 4 par là. Vous la voyez. Alors, il faut que je fasse doucement. Voilà, la caravane. Bon, elle est foutue, hein. Regardez. C'est bon pour la casse. Il n'y a plus rien. Tout est cassé. Et l'autre, elle est là-bas. Bon, ça va. Hein. L'autre, c'est pas la peine d'y aller. Regardez. Allez, je vais arriver à la fin de cette vidéo. Là, c'est l'entrée qu'il y avait, l'ancienne entrée de cette usine. Là, il y a le passage. Voilà l'entrée qu'il y avait avant. Regardez si c'est grand encore. Vous avez vu si c'est grand?
un radiateur. Bon, ça, je pense qu'il fait... Là, je pense que là, il n'y a rien à voir avec l'usine, parce que les gens, ils doivent jeter la nuit, là. Les ordures. Voilà l'entrée. Et je vais arrêter. On arrive à la fin de cette vidéo. Ils avaient clôturé, mais là, bon, là, ils ont fait un passage, regardez. Là, il y a un passage. Voilà l'entrée, j'arrive à la fin de cette... Regardez. De cette vidéo. Oui, ils ont bien fermé hein, pour pas qu'on rentre. Je vous dis salut, c'était Jean-Luc. À la prochaine et j'espère que vous aimerez cette vidéo. Nous sommes en 2024. Merci à tous les abonnés. Au revoir.